Nous sommes en Tanzanie. Le volcan du Kilimandjaro. Les parcs nationaux avec leurs animaux majestueux. Autant d'images inoubliables qui font rêver les voyageurs. Mais ce trésor exceptionnel est aujourd'hui en danger. Entre inondations et sécheresses, l'eau et la terre ne s'accordent plus. Regardez, cette terre est très hostile. Ce n'est pas une terre comme les autres. Vous voyez, elle est très sèche. Il n'y a aucune humidité. Ce n'est que poussière. Il n'y a rien pour retenir l'eau. Les premières victimes sont celles qui vivent depuis toujours en harmonie avec la nature. Les Maasai, peuple emblématique de la Tanzanie, risquent de perdre ce qu'ils ont de plus précieux, leur bétail. D'autres tribus sont menacées, comme les Adzabé. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs pourrait bien voir disparaître à jamais son mode de vie millénaire, intimement lié à la forêt. Un arbre comme celui-ci est un véritable trésor. Celui qui l'a coupé nous prive d'un bien inestimable. Partout dans le pays, le bouleversement du climat fait des ravages. En première ligne, les paysans. Planter, c'est comme jouer au loto. Et quand tu perds, tu ne peux te plaindre à personne. Exilés par la sécheresse, ils sont plus de 150 000 chaque année à chercher une vie meilleure dans la capitale économique Dar es Salaam. Mais au bout du chemin, souvent, c'est l'impasse. Les plus pauvres échouent dans des bidonvilles où ils subissent les inondations. J'ai pris ma fille sur le dos. J'avais de l'eau jusqu'à la ceinture. La Tanzanie peut-elle s'adapter au changement climatique? Les autorités ont-elles pris conscience de l'ampleur du problème? Qui peut sortir le pays de cette impasse? C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Notre voyage commence au nord de la Tanzanie, à Ngaressero, au pied du volcan Oldonyolengai. Pour les Maasai, c'est la montagne des dieux. Nous sommes avec Elia Solé, un éleveur. Comme pour tous les Maasai, sa seule ressource, c'est son bétail. Au petit matin, il revient sur les lieux d'une tragédie. C'est là que les vaches sont mortes. Ça sentait vraiment mauvais quand on passait là. En 2009, au beau milieu de cette terre aride, il a perdu ce qu'il avait de plus précieux, son troupeau de vaches. Ce crâne, ça me rappelle une de mes vaches qui est morte de faiblesse, comme celle-ci, affamée. Les vaches partaient loin dans les collines pour brouter. Elles revenaient très fatiguées car il n'y avait pas grand-chose à manger. Je me souviens, on a essayé de la soulever. C'était impossible. Son petit veau est mort avec elle. . 2009, année maudite. La sécheresse frappe le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya pour la troisième année consécutive. Le territoire des Maasai est frappé. Les bêtes ne résistent pas, elles meurent par centaines de milliers. Elia Solé et sa femme Signati avaient 30 vaches. Seules deux ont survécu. Un souvenir terrible, ravivé par les images que nous leur montrons. À ce moment-là, seuls les chiens étaient en bonne santé. Il n'y a qu'eux qui pouvaient manger les cadavres des vaches agonisantes. Cela me rend triste de voir ça. Ça me rappelle les efforts incroyables que l'on a fournis pour tenter de sauver nos vaches. Elles étaient tellement faibles qu'elles ne pouvaient pas marcher. Alors nous devions aller chercher de l'herbe nous-mêmes, loin, très loin dans la montagne, et la ramener sur notre dos pour la donner aux vaches. Mais cela n'a servi à rien. Nos vaches sont quand même mortes à la fin.
Un drame quand on sait qu'ici, tout se mesure au nombre de vaches que l'on possède. La richesse, le rang social, l'honneur. Depuis le sommet du volcan, Engai, le dieu des Maasai, est censé veiller sur les hommes et les bêtes. Mais depuis 2007, il semble les avoir oubliés. Même si elle ne croit plus en cette mythologie, c'est avec une dévotion presque religieuse que Signati traite ses vaches chaque matin. Nous et les vaches, nous ne faisons qu'un. Avec les vaches, on a tout le nécessaire pour vivre. Du lait, de la viande, du sang. On peut vendre une bête pour acheter des vêtements ou de la nourriture. C'est très important dans notre culture, pour nos rites. Et c'est la taille de votre troupeau qui fait de vous quelqu'un de respectable. Signati et Elias savent qu'à la prochaine sécheresse, ils ne se relèveront pas. S'ils font peu de cas de leur sort, c'est pour l'avenir de leurs quatre enfants qu'ils s'inquiètent. Allez, vous pouvez y aller. Pour qu'un enfant puisse aller au collège, il faut vendre quatre vaches. Alors même si ma fille réussit l'examen cette année, si le village ne m'aide pas, je n'aurai pas les moyens de l'envoyer à l'école. Avant, je pouvais subvenir aux besoins de ma famille. Mais depuis que les vaches sont mortes, je n'ai plus de moyens. Aujourd'hui, le troupeau collectif du village n'est plus que l'ombre de lui-même. Un tiers des bêtes sont mortes, rien qu'en 2009. La situation pourrait s'aggraver. Selon les prévisions des experts, la région va devenir de plus en plus sèche. C'est tout un peuple et son mode de vie ancestral qui sont menacés. Ce matin-là, c'est au tour d'Elias de faire paître ensemble toutes les vaches du clan. Là, je suis en train de siffler pour rassurer les vaches. Quand je siffle, elles me reconnaissent. Là, elles se sentent en sécurité. Là, regardez. Ça, c'est une de mes deux vaches, celle-là. Quand un Maasai n'a pas de vache, il est considéré comme un pauvre. Nous, on ne sait pas cultiver la terre. On ne sait pas faire de commerce. On ne sait rien faire d'autre. Il n'y a que les vaches pour nous faire vivre. On ne sait pas où aller. Mais si les vaches continuent de mourir, ici, on sera obligé de partir. Ces éleveurs nomades sont menacés par la sécheresse, mais pas seulement. Depuis les années 50, le gouvernement réduit leur territoire comme peau de chagrin. La raison, ce peuple d'éleveurs et son bétail feraient du tort aux animaux sauvages. Alors, pour protéger la faune, les Maasai ont été expulsés des parcs nationaux, qui représentent environ un quart du pays. Marco Sicorei est un Maasai qui travaille pour la FAO, une organisation des Nations Unies. Lui ne croit pas au conflit entre Maasai et animaux sauvages. Il nous montre ici une carte révélatrice. Du Kenya avec la réserve nationale du Maasai Mara jusqu'en Tanzanie avec le parc national du Serengeti, tout ce territoire, c'est le territoire historique des Maasai. Et c'est aussi le lieu où se concentrent tous les plus beaux parcs nationaux, les plus connus au monde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que depuis toujours, les Maasai sont ceux qui préservent le mieux la vie sauvage. Vous voyez, ici, il y a un mélange entre le bétail et les animaux sauvages. Cela veut dire que ces créatures peuvent se nourrir ensemble sans aucun conflit. Les gens qui disent que le bétail nuit aux animaux sauvages ont tort.
Ils pensent cela parce qu'ils ne connaissent pas le système de pâturage utilisé par les Maasai. Les Maasai pratiquent la rotation des pâturages et c'est très bon pour la gestion de l'environnement. Il y a une aire de pâturage pour la saison des pluies et une aire de pâturage pour la saison sèche. Comme cela, le sol peut se régénérer et de nouvelles herbes au goût agréable pour les animaux peuvent repousser. Marco nous emmène 200 km plus au nord pour rencontrer une autre communauté Maasai. Des gens déracinés, sans terre. Comme sortis de nulle part, des hommes apparaissent soudain. Expulsés du célèbre parc national du Serengeti dans les années 50, ces Maasai avaient trouvé refuge ici à Loliondo. Mais là encore, ils ont été chassés de ces terres par les autorités tanzaniennes, brutalement cette fois. Tu vois ces pierres-là? C'était là qu'on faisait du feu pour la cuisine. Et ces restes de poteaux, là, tu vois? C'était ceux de ma maison. Plus loin, là-bas, c'était la maison de ma mère. Montre-nous, c'était là? C'est là qu'ils ont tout détruit? C'est ça, ils ont amené des pelleteuses et ils ont tout détruit. Politique de la terre brûlée. Leurs maisons ne sont plus que des cendres. Selon les Maasai, ce sont les forces spéciales tanzaniennes qui ont incendié leur village sur ordre du gouvernement. Quand ils ont brûlé nos maisons, on a eu peur. Les femmes et les enfants pleuraient. Les hommes criaient. Tout le monde était perdu. On ne savait pas où aller. Le tort de ces Maasai, habiter une zone de safari, une zone louée à une puissante société de chasse des Émirats Arabes Unis. Les Arabes sont venus en disant que c'était leur terre, pas celle des Maasai, et que nous devions partir. Oui, ils nous ont dit de partir au Kenya. Ils ont dit qu'on était du Kenya, mais moi, je suis né sur cette terre, en Tanzanie. Ils sont venus pour chasser les lions, c'est ça? Oui, c'est ça, pour chasser les lions. Les autorités tanzaniennes se font beaucoup d'argent avec ça. Alors ils laissent faire. Ils nous ont forcés à partir d'ici. Mais là où ils nous ont dit d'aller, il n'y a pas d'eau. Alors les vaches sont toutes mortes. Du coup, on est revenu et ils nous ont tiré dessus. Un homme a même été blessé à l'œil. C'était là-bas. Il y a eu une grande bagarre. Dès le premier jour où on est revenu. Et un homme a perdu son œil. Mais cette terre nous appartient. Donc maintenant, c'est fini. On ne veut plus partir. La bravoure des guerriers Maasai est réputée dans tout le pays. Mais que peuvent leurs lances et leurs arcs face aux fusils des autorités? Que pèsent leurs maigres vaches face aux centaines de milliers d'euros des Émirats? Marco est inquiet. La saison de chasse approche. Bientôt, les chasseurs débarqueront par centaines. Lions, zèbres, gazelles, ils tueront en toute légalité les trésors de la Tanzanie et menaceront à nouveau les Maasai. À notre demande, Marco a sollicité un rendez-vous avec l'officier responsable des safaris. Il veut interpeller les autorités. Pour lui, s'attaquer aux Maasai, c'est s'attaquer aux racines et à l'histoire du pays. Ah, Majid. How are you? I'm okay. Nzima. Majid, do you think a good idea? Pensez-vous que c'est une bonne idée d'avoir brûlé les maisons des Maasai? Je ne peux pas dire que c'est une bonne idée. Mais si le gouvernement a décidé cela, alors je ne suis pas autorisé à vous en dire plus. En fait, tout ceci est arrivé parce que la loi de conservation de la vie sauvage de 1974 stipule que, dans les réserves de chasse, il est interdit d'avoir une autre activité économique que la chasse. C'est la loi, c'est comme ça. Alors en période de chasse, le gouvernement exige des éleveurs qu'ils retirent leur bétail de la zone.
to remove their livestock inside the area. Cet officier supervise toutes les activités de chasse. Il reconnaît implicitement la responsabilité du gouvernement dans les incendies. La Tanzanie veut toujours plus de touristes. Alors, tous les moyens sont bons pour favoriser les safaris. Pour Marco, qui porte en lui le sang des Maasai, cette politique est terrible. La tragédie de l'Oliondo n'est pas un cas isolé. Les ONG parlent de centaines de maisons Maasai incendiées chaque année. Aucun recensement n'a été réalisé, mais les Maasai seraient plusieurs centaines de milliers en Tanzanie. Pour tous ceux que nous avons rencontrés, il peut n'y avoir de fuite ou d'exil. Leur vie est sur cette terre et nulle part ailleurs. Nous partons à quelques centaines de kilomètres au sud, dans la vallée de Yaeda. Mark Baker, notre guide, est anglais. À 41 ans, il a passé 20 ans de sa vie en Tanzanie avec femme et enfant. Son objectif, aider une autre tribu en danger. Ce sont les Adzabé. Les Adzabé sont en accord profond avec la nature qui les nourrit. Ils vivent en symbiose avec leur environnement, autant que les hommes peuvent l'être. C'est un peuple unique. Ils sont les descendants d'une société humaine très ancienne. Nous avons beaucoup à apprendre de leur capacité à s'adapter à leur environnement et au monde changeant dans lequel ils vivent. C'est la tribu la plus ancienne de Tanzanie, arrivée bien avant les Maasai. Ces chasseurs-cueilleurs survivent depuis plus de 40 000 ans grâce à la forêt. Ils ne sont plus que quelques centaines à vivre ainsi. Ce matin-là, trois Adzabé partent traquer les gazelles. Ça, ce sont des excréments de gazelles. Elles font toujours leurs besoins près de leur repère. Même si aujourd'hui ils ne portent plus le pagne traditionnel, ils lisent dans la nature comme dans un livre ouvert. Pour tuer le gibier, ils utilisent des flèches empoisonnées. Ce matin-là, ils n'attraperont rien. Ruben Matayo, l'un des chasseurs, retrouve Mark Baker, son ami. Aujourd'hui, si ces deux hommes marchent du même pas, c'est que leur combat est commun, sauver les Adzabé. Dans ce petit village, ils vivent en totale harmonie avec l'environnement. Grâce aux ressources de la forêt, ils ne souffrent pas de la sécheresse. Mais depuis quelques années, ils sont victimes d'un autre fléau. Les propriétaires de ces champs sont arrivés il y a 3 ans. Et depuis un an, ils cultivent ces grandes plantations-là. Et tu me dis qu'ils ont coupé tous les arbres ici ? Oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les hommes sont venus tout détruire. On n'a plus de viande, plus d'animaux à chasser parce qu'ils ont coupé les arbres. Ils ont très mal agi. Un arbre comme celui-ci est un véritable trésor. Celui qui a coupé cet arbre nous prive d'un bien inestimable. Avant, ici, il y avait beaucoup plus d'animaux sauvages. Des buffles, des antilopes, des éléphants, des singes, des lions et des gazelles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre. Du maïs, du tournesol, du millet. Partout les champs, les cultures grignotent la forêt des Adzabé,
Ils sont comme encerclés. La sécheresse pousse les paysans voisins à couper toujours plus d'arbres pour cultiver de nouveaux sols. Une déforestation qui a fait perdre aux Adzabé les deux tiers de leur territoire en 50 ans. Ce matin-là, Pilgudo et les femmes du village vont chercher des racines avec les enfants. La transmission des savoirs est quotidienne. On peut en manger sans crainte. Il y a des racines qui peuvent être dangereuses. Nous apprenons très jeunes à faire la différence entre les bons et les mauvais fruits. Je plains nos voisins, les agriculteurs. Ils ne mangent que les produits issus de leurs champs, tandis que nous, les Adzabé, nous pouvons survivre grâce à tout ce que nous trouvons dans la forêt. Dans ces fruits et ces racines, beaucoup de vitamines et de minéraux essentiels. Les mêmes gestes depuis des millénaires. Faire du feu, escalader à la hache un arbre centenaire, braver les abeilles avec de la fumée. Au sommet de ce baobab, une ruche renferme un nectar précieux, délicieux. Les Adzabé ne prendront que le nécessaire pour que le miel puisse se reconstituer. Pour qui sait la respecter, la forêt est une véritable mère nourricière. Ruben Matayo cherche à comprendre pourquoi certains hommes persistent à la détruire. Avec Marc Baker, ils partent à la rencontre de ces paysans qui empiètent de plus en plus sur leur territoire. À leur arrivée, les visages se ferment. Nos questions semblent les mettre mal à l'aise. Seul un homme accepte de s'expliquer. Surprise, c'est un Adzabé. Je suis Adzabé de père en fils. Je suis né ici. Oui, mais pourquoi tu cultives sur leur terre et tu ne vis plus comme eux? Non, tu dis ça parce que tu vois ma belle maison et tout mon matériel. Mais je suis un Adzabé authentique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit rester des sauvages. Sauvage. Ce mot, Ruben Matayo l'a entendu trop souvent. Il préfère ne pas réagir. C'est à l'écart que Marc Baker nous confie son sentiment sur cette situation pour le moins délicate. La plupart des gens qui viennent ici cherchent désespérément une terre. Dans cette région, à cause des changements climatiques, de plus en plus de gens ne parviennent plus à cultiver. Donc, c'est difficile de blâmer ces gens qui viennent ici et qui coupent des arbres pour cultiver la terre, car en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Ensemble, Marc Baker et les Adzabé ont trouvé une solution. Créer un sanctuaire de 20 hectares. 20 hectares de forêt primaire. Défense de cultiver, de braconner ou de faire paître du bétail. Donc, l'aire protégée commence là. Venez, je vais vous montrer les limites, je vais vous montrer le panneau. Vous voyez, les frontières sont délimitées par ces panneaux qui sont placés aux 5 entrées de la zone. Dessus, il est écrit « Ceci est l'aire protégée des Adzabé pour qu'ils puissent continuer à vivre à leur manière, comme ils l'ont toujours fait. » Une dizaine d'agences nationales apportent une aide financière à ce projet. Leur but, pouvoir afficher une image d'entreprise éco-responsable. Avec l'argent, les Adzabé organisent au village un système de rondes pour patrouiller dans la forêt. À l'aide de cette carte qui délimite clairement leur territoire, ils font régulièrement le point. Ils ne sont plus de simples chasseurs-cueilleurs, ils sont les gardiens des arbres.
Moi, je suis gardien de la forêt maintenant. Je suis là pour assurer la sécurité de la forêt, pour voir s'il y a quelqu'un qui coupe les arbres ou s'il y a des gens qui entrent dans la forêt pour braconner. Je suis un guerrier traditionnel. Pour vivre, j'ai besoin de la forêt, parce qu'une grande partie de ma nourriture vient de là. La viande, le miel, les fruits, les racines. C'est pour ça que je fais ce travail attentivement, pour que la forêt ne soit pas détruite. Mais le territoire sauvegardé est déjà trop petit. Moins d'espace, c'est moins de fruits et moins de gibier. Alors les Adzabés cherchent de nouvelles ressources. Piligoudou a changé son mode de vie. Elle a planté un petit potager pour nourrir ses enfants. Ici, nous avons essayé de faire des cultures. Nous avons regardé comment faisaient nos voisins pour faire pousser du maïs. Mais voyez l'état de ces plantes. Tout est fané. Si l'on ne récolte rien, on va arrêter. Ça ne sert à rien de cultiver pour rien. Les Adzabés pourront-ils garder encore longtemps leur mode de vie millénaire? Comme Pili, l'agriculture en attire certains, mais qu'elle soit vivrière ou intensive, elle n'est plus une solution durable avec ce climat qui devient fou. Sécheresse, pluies imprévisibles, la terre ne nourrit plus comme avant. Partout dans le pays, le constat est le même. Un drame national quand on sait que plus de 70% de la population vit des produits de la terre. En apparence, le champ de maïs de cet agriculteur semble productif. Mais quand on l'écoute, on entend sa détresse. Regardez, tout ce champ est en train de faner. Ces plantes deviendront bientôt de la nourriture pour vaches. Cette épine de maïs que vous voyez ne donnera pas de grain si la plante ne reçoit pas d'eau. S'il y avait assez d'eau, l'épi serait gonflé. Mais là, vous voyez, il n'y a rien dedans. C'est fichu. L'eau se fait rare et le soleil devient de plus en plus fort, laissant la terre plus sèche. Cette terre que vous voyez n'a pas d'eau. En fait, ça fait 5 ans et même plus qu'on ne récolte rien du tout. C'est comme jouer au loto. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, tu ne peux te plaindre à personne. Le maïs, très apprécié dans le pays, mais trop gourmand en eau, donne des cauchemars aux paysans. Que faire alors face au rendement qui diminue? Certains s'accrochent à leur terre. D'autres jettent l'éponge et prennent la route. Direction la grande ville et cet Eldorado que représente la capitale économique du pays. Direction Dar es Salaam. Elle connaît un boom démographique sans précédent. En 20 ans, sa population a doublé. Sa croissance économique frôle les 12%. Ces buildings offrent aux paysans désespérés la promesse d'un travail et d'une vie meilleure. Mais pour ces nouveaux urbains, pauvres parmi les pauvres, cette quête se termine souvent au cœur d'un bidonville. Une impasse dangereuse. Les logements sont insalubres et situés dans des zones à risque. À Dar es Salaam, il y a un homme que cette situation bouleverse. Il a créé une organisation humanitaire pour aider les gens à se reloger dans des conditions décentes. Cet homme, c'est Tim Desi. Pour lui, le problème, c'est que 70% des logements sont illégaux et construits en dépit du bon sens. Il faut savoir que la majorité des bidonvilles, entre 40 et 50%, sont situés dans des vallées. Résultat, pendant la saison des pluies, ce sont eux qui sont touchés par les inondations. Pour lui, année après année, les inondations seront de plus en plus fréquentes et brutales. Depuis 40 ans, on le voit sur ce graphique, la quantité d'eau qui tombe sur la ville est toujours la même, mais elle s'abat sur une période beaucoup plus courte qu'avant. Conséquence, les pluies sont diluviennes. Pour le bidonville de Souna, situé dans une cuvette, il y a eu un déluge de trop.
20 décembre 2011, en 24 heures, 156 mm d'eau s'abattent sur la ville. Un record depuis 1954. C'est beaucoup plus que ce qui tombe normalement en un mois. Bilan, une trentaine de morts et des centaines de sans-abri, rien qu'à Suna. Je dormais avec cet enfant. J'ai entendu mon père qui nous criait de nous lever vite. Nous lui avons dit de ne pas paniquer, que nous avions l'habitude de ce genre d'intempéries. Mais il s'est énervé. Alors nous avons compris que c'était sérieux. Nous nous sommes levés et nous sommes sortis dehors. Si nous étions restés au lit, nous serions morts noyés. Tindézi connaît bien ses habitants. Il se bat à leur côté depuis des mois pour leur redonner de l'espoir, pour les aider à reconstruire leur vie. Mais 5 mois après le drame, il constate que la situation est toujours aussi critique. Rien n'a changé depuis les inondations. Le bidonville est un immense marécage. Vous voyez, c'est toujours inondé ici. Il y a toujours de l'eau. Alors que normalement, c'est là que jouent les enfants. C'est encore très dangereux, on peut tomber dedans. C'est vraiment dégoûtant. Il y a aussi des maladies. À cause de l'eau croupie, il peut y avoir des moustiques qui donnent le paludisme. Et il peut y avoir des maux de ventre, des diarrhées. Un cloaque pour environnement, voilà la réalité pour les habitants des bidonvilles. Pourtant, au détour des rues, on surprend des sourires d'enfants. Ici, les gens reconstituent une ambiance de village. Difficile à comprendre pour les Occidentaux que nous sommes, mais ils disent ici préférer rester à Suna plutôt que de retourner d'où ils viennent. Tous apprécient la proximité du centre-ville, synonyme de petits boulots et de revenus. Mais les gens ont eu peur et ont inscrit cette nuit d'horreur sur leur mur. Regardez ici cette marque. L'eau est arrivée jusque-là. Regardez, j'ai même écrit le niveau de l'eau sur le mur. Elle a inscrit un niveau sur le mur. Qu'est-ce que c'est cette date? C'est la nuit où j'ai cru que j'allais mourir. Donc c'était mercredi 20 décembre 2011. Elle a marqué ça pour s'en rappeler. Se rappeler que c'était un jour funeste. Et vous croyez qu'un jour une inondation pareille puisse se reproduire? Tu veux dire qu'on s'attend à pire. Cette fois-là, ça se passera en pleine nuit noire, pendant que tout le monde dort. On se réveillera en catastrophe, sans distinguer ni porte ni fenêtre, sans rien y voir. Pas très réjouissant. Une peur partagée dans ce bidonville. Une peur, mais aussi une colère. Mama Mwanairi en a plus qu'assez. Lors des inondations, elle a perdu les poules et les chèvres qu'elle gardait dans son petit enclos. Pour elle, les autorités sont coupables. Tous les canaux d'évacuation sont remplis de déchets. Ces canaux, c'est nous qui les avons nettoyés. On a dépensé 300 euros pour ça. L'eau nous envahit parce que les gens chargés du nettoyage de la ville ne s'occupent pas du système d'évacuation des eaux. S'il y avait de bonnes infrastructures ici, nous n'aurions pas été inondés. Pas de tout à l'égout. Pas de collecte d'ordures. Pas de système d'écoulement des eaux. De toute façon, le gouvernement a décidé de détruire ces maisons. En contrepartie, il propose aux habitants de les reloger ailleurs. Au beau milieu de nulle part. Un camp de tente, à 40 km du centre-ville, loin de toute activité économique. Des dizaines de victimes ont reçu un lopin de terre et une tente en plastique. Elles ont le droit de construire de nouvelles maisons, mais où trouver l'argent pour le faire? Ce provisoire
est parti pour durer. Je viens de Dodoma. Mes champs ont été détruits par la sécheresse. Nous sommes partis dans tout le pays pour sauver nos vies. J'ai 4 enfants, mais celui de 7 ans est en famille d'accueil. Et 2 autres sont dispersés ici et là. Je n'en ai qu'un seul avec moi, à cause de la misère. Ici, c'est très difficile. J'ai cru que la vie serait meilleure à Dar es Salaam. Nous nous ennuyons beaucoup ici. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas d'argent et aucun projet. Mon frère est malade. Je n'ai plus rien. Ils n'ont vraiment rien pour se loger. Leur maison s'est effondrée. Ceux-là sont vraiment à la rue. Pris en otage entre sécheresse et inondation, les Tanzaniens sont durement frappés par les changements climatiques. Mais le gouvernement a-t-il conscience du combat à mener? Retour à Dar es Salaam. À voir le tableau qui trône dans le bureau du ministre de l'Environnement, on peut penser que oui. Vous voyez ici, c'est la planète Terre. Et vous voyez ici, c'est une poêle à frire. Il y a du feu en dessous. C'est notre propre Terre sur laquelle nous vivons et pourtant, nous la brûlons. Bien sûr, cela va nous mener à notre propre souffrance et même peut-être à la disparition de tous les organismes vivants sur cette Terre, y compris nous. Est-ce que les changements climatiques sont une priorité du gouvernement ? Si les changements climatiques sont une priorité, je ne peux pas dire oui ou non, car nous n'avons pas encore voté le budget. Il sera voté en juillet. Mais à l'avenir, nous pourrions effectivement conseiller au gouvernement d'en faire une priorité. Une priorité peut-être dans le futur. Manque de moyens ou manque de volonté, les autorités ne mesurent pas l'ampleur du problème. Mais si le gouvernement démissionne, qui tendra une main? Qui aidera les victimes du climat? Nous partons pour Arusha, dans le nord du pays. C'est là que des héros ordinaires se lèvent. Des hommes et des femmes inventent les solutions de demain ou ressuscitent les vieilles traditions culinaires pour mieux s'adapter aux conditions climatiques. Leur credo, aide-toi, le ciel t'aidera. Bienvenue au Centre international de légumes. Une ONG financée par des gouvernements et des bailleurs de fonds internationaux. La tête chercheuse, c'est Chris Ojewo. Ingénieur agronome, il nous emmène dans son laboratoire où il croise entre elles des milliers de semences pour trouver la graine, celle qui offrira le meilleur rendement. C'est dans une petite pièce réfrigérée qu'il stocke ses trésors. Là, ce sont des graines d'amarante. C'est une des semences les plus demandées au centre des légumes. Et là, c'est de l'amarante noire. On l'utilise plus pour ses feuilles que pour ses tiges. Toutes ces graines, nous les recommandons fortement aux agriculteurs pour lutter contre les changements climatiques. C'est la pièce la plus précieuse du centre des légumes. Précieuse, car elle contient près de 4000 semences différentes. Dans ces petites graines, se trouverait en germe la solution miracle pour atténuer les effets des changements climatiques. L'amarante, comme tant d'autres plantes cultivées au centre, est née sur les terres africaines. Pour Chris, le chercheur, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il existe des ressources à portée de main. L'amarante ressemble à un épinard. Avec le développement du maïs, cette plante a été négligée. Aujourd'hui, avec ce climat bouleversé, elle retrouve des vertus insoupçonnées jusque-là. Si l'on est confronté à des pluies imprévisibles ou des pluies diluviennes pendant 2 ou 3 semaines d'affilée, par exemple, et qu'ensuite ça s'arrête, les cultivateurs ne pourront rien récolter, car le maïs n'aura pas atteint sa maturité. Il faut qu'il pleuve régulièrement pendant 5 mois.
L'amarante, elle, pousse en 21 jours. Donc même s'il ne pleut qu'une semaine ou deux, l'humidité résiduelle sera suffisante pour que l'amarante soit récoltée. Donc c'est vraiment un atout dans l'adaptation au changement climatique. Les trouvailles de Chris ont besoin d'être relayées auprès des paysans de la région. Il faut leur apprendre à cultiver les plantes endémiques trouvées au centre. C'est le travail d'Inviolate, professeur d'agronomie. Aujourd'hui, nous allons parler de la préservation de la terre et de l'eau. Plus rien ne pousse. Nous devons nous tourner vers des cultures qui supportent la sécheresse. Un peu plus de nerfs, les gars. Allez, au boulot. Mélangez bien. Que rien ne soit jeté ou laissé dans le champ. Grâce à ce compost naturel, le sol ne sera plus sablonneux et l'eau pourra jouer son rôle fertilisant. Ce centre de recherche a pensé à tout. Atelier suivant, un cours de cuisine. Mama Guga est au four et au moulin. Rien de tel que des recettes de grand-mère. Mama Guga est nutritionniste, mais c'est surtout un fin cordon bleu. En un tour de main, elle révèle les goûts. Avec les feuilles d'amarante, elle fait des ragoûts de légumes. Avec les graines, de la farine pour de savoureux gâteaux. Le but de ce cours, c'est d'apprendre aux fermiers à cuisiner les légumes locaux qui sont négligés depuis trop longtemps par les paysans. Ils sont habitués à cultiver du maïs, des haricots et d'autres choses, mais pas les légumes endémiques. Les enfants n'aiment pas le goût amer des légumes. Ils n'aiment pas quand ils n'ont pas de goût. Mais ils doivent en manger, car c'est bon pour leur santé. Mama Guga ne lâche pas ses élèves d'une spatule. Elle sait trouver les mots pour leur donner envie, pour leur transmettre le goût de la bonne cuisine du terroir. Quand nous préparons les légumes, on y met de la carotte et non des aubergines, sinon ça devient amer. Les carottes, au contraire, diminuent l'amertume. C'est vrai que nous aimons le petit goût amer, mais pas les enfants. Et nous, on apprend à faire la cuisine pour tout le monde, petits et grands. Celle-ci n'a pas mis assez d'eau dans ses légumes. Il faut garder l'eau des légumes pour la réutiliser avec les oignons et les aubergines. N'oublie pas de rajouter de l'eau. Non, ne mets pas les cacahuètes, attends un peu. Ça suffit, ne mets pas tout le gobelet. Voilà, stop. Dernier atelier, la dégustation. Mama Guga joue gros. On ne dirait pas que nous mangeons des amarantes. C'est parce que c'est une nouvelle recette. Ah, ok. On ne dirait vraiment pas de l'amarante. J'ai tout mangé. On l'a cuisiné d'une façon vraiment différente. Au moins, les enfants pourront en manger. Parfois, ils ne veulent pas car ils disent que c'est trop amer. Maintenant, quand je vais rentrer à la maison, je vais cuisiner ça et tout le monde va adorer ce plat. Mission accomplie pour Chris Ojewo et Mama Guga. Après 2 jours de formation, les agriculteurs repartent avec de précieuses graines dans la poche. Des astuces pour mieux cultiver en main et des recettes plein la tête. Lentement mais sûrement, les mentalités évoluent. À 2 heures de route de là, dans la ville de Moshi, c'est un pasteur évangéliste qui porte l'espoir. Frédéric Chaud est pasteur depuis plus de 30 ans. Évêque assistant dans la ville de Moshi, il dirige un diocèse de 500 000 fidèles environ. Au départ, pourtant, ce n'était pas vraiment sa vocation. J'ai reçu un coup de fil des gens de mon village.
L'église avait besoin d'un pasteur. Moi, j'étais un jeune homme et ils m'ont dit « Nous aimerions vraiment que tu sois notre pasteur. » Ce n'était pas une décision facile car je me destinais à être médecin. Un pasteur ne gagne pas beaucoup d'argent. Ce n'était pas évident non plus pour ma famille, mais je n'ai jamais regretté ce choix. S'il ne guérit pas les hommes, Frédéric Shaw veut soigner la terre. Son credo, la défense de l'environnement. Arbres ou fleurs à la main, le pasteur rappelle aux fidèles leur devoir impérieux de prendre soin, dit-il, du jardin d'Éden. Dieu a donné à l'homme une responsabilité particulière par rapport aux autres créatures, pour qu'il cultive et pour qu'il conserve la création divine. C'est pourquoi la question de l'environnement est aussi une question spirituelle. Et moi, je vous le dis, nous devons replanter les arbres comme des fous. Puisque nous les avons coupés comme des fous de la même manière, nous devons les replanter comme des fous. D'église en église, chaque jour, le pasteur prêche la bonne parole environnementale auprès des centaines de milliers de fidèles de son diocèse. Une influence non négligeable. La messe terminée, il nous emmène dans un champ qu'il cultivait autrefois pendant son temps libre. Cela fait 3 ans que je n'ai rien fait ici. Ce champ ne rapportait rien. Vous investissez beaucoup et puis, à mi-chemin, vous perdez toutes vos plantations parce qu'il ne pleut pas assez et parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour irriguer. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'abandonner. En quelques années, les pluies se sont taries. Puis c'est la rivière qui a vu son niveau inexorablement baisser. L'enfer sur terre, dit-il. Vous pouvez le voir. Habituellement, l'eau allait jusqu'en haut. Mais au cours des 7 dernières années, il n'a pas plu suffisamment. À cette période, normalement, tout devrait être vert. Tout le monde doit faire quelque chose selon ses propres capacités. Nous ne pouvons pas toujours blâmer les autres. Tout le monde doit se demander, de quoi suis-je responsable? Que puis-je faire? Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. Des paroles aux actes. Le lendemain, à quelques dizaines de kilomètres de là, dans une autre paroisse, le pasteur décide de frapper un grand coup. Allez-y doucement. 300 enfants, un arbre pour chacun. C'est l'église qui fournit les jeunes plants. Mais enfants et parents sont aussi incités à acheter et planter eux-mêmes des arbres. Pour Frédéric Shaw, le changement commence par un petit geste plein d'espoir. Celui-ci a un petit souci. Allez, enlève le sac doucement. Voilà, la terre n'est pas bonne. Enlève seulement le sac. Voilà, c'est bien. Vas-y maintenant, continue à mettre de la terre. Celui-ci, c'est ton arbre. Il faut que ton arbre soit bien debout. Chaque enfant aura son nom sur son arbre. Ils devront venir 1 à 2 fois par semaine pour arroser leurs arbres jusqu'à ce qu'ils soient grands. Les arbres vont aider à fixer le sol. Et donc, pendant la saison des pluies, quand la rivière sera pleine, le sol ne sera pas emporté. Vous voyez là-bas, nous avons une érosion terrible. Cela arrive parce que les gens ont coupé la forêt jusqu'au bord de la rivière pour planter du maïs et des haricots. Plant maïs et beans.
Donc, chaque année, des tonnes et des tonnes de terre sont arrachées par la rivière pendant la saison des pluies. Le message passe. Les arbres, protecteurs du sol, garants de la fertilité, sont les meilleurs alliés des paysans. En 15 ans, le pasteur affirme avoir incité à planter 1 million d'arbres dans son diocèse. Son secret, obliger chaque enfant à planter et à prendre soin d'au moins 10 arbres entre sa communion et sa confirmation. Je plante des arbres parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a demandé de continuer à s'occuper de sa création. Nous arrosons les arbres pour que leur nombre augmente. Oui, moi et mes copains, nous pouvons préserver l'environnement. C'est tout à fait possible. Ce que nous voulons, c'est une génération du changement. Nous voulons faire évoluer les mentalités. Leurs parents coupaient des arbres et ces enfants, eh bien, on leur apprend à planter des arbres. C'est ce que nous voulons, une génération de planteurs d'arbres. Une génération de planteurs d'arbres. Au-delà du symbole, il s'agit surtout de faire prendre conscience à toute une nation que les effets des changements climatiques n'épargnent personne. Pour le moment, quelques individus, quelques organisations ont pris leur bâton de pèlerin pour mener ce combat. La tâche semble immense. Le combat, presque perdu d'avance. Mais leur exemple pourrait susciter des vocations. Un effet domino qui pourrait aller, pourquoi pas, jusqu'à donner envie aux autorités de revoir leurs priorités.